Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo détente sur FIFA 14. Je vais parler sur la Coupe du Monde de cette année. Le match qui va être présenté, c'est Barcelone contre le Real Madrid. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de débat sur ces équipes. Moi et le foot, surtout dans les championnats, j'ai pas d'équipe favorite, donc ne vous emballez pas. Merci. J'ai choisi Barcelone et le Real Madrid pour ce match. Il faut savoir que c'est l'une des affiches la plus regardée en Espagne. Donc, on va commencer le match. Allez. Coup d'envoi pour le Real Madrid. On continue. Donc je suis à de très près cette Coupe du Monde comparée à celle de 2010. Surtout à l'équipe de France qui m'a vraiment. Ça change vraiment de celle qu'on avait en 2017. C'est même pas comparable. Et franchement, ça m'a. J'ai regardé le match France-Allemagne, bien sûr. Bon, c'est sûr, une défaite, surtout en quart de finale, c'est magique, quoi. Et je trouve qu'ils sont, attention, sans rien à se reprocher, car ils ont fait vraiment de matchs magiques, que ce soit en poule, et surtout contre le Nigeria. Alors là, tout le monde disait qu'ils allaient perdre. Ah ouais, oui. Oh non. Alors là, j'avais une occasion, mais je vais faire une pause. On se retrouve à de suite. Alors, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Alors, ça fait toujours 0-0. Ah oui, attention Neymar. Ah, je suis de très près cette Coupe du Monde. Et vraiment, elle a été magique. Comme le Portugal et toutes ces grosses équipes, l'Angleterre. J'aurais pensé, comme tout le monde, qu'elle allait se qualifier au moins pour les quarts de finale ou même pour. Les huitièmes de finale. Oui, c'est ça, je sais plus. Non, pour les huitièmes. Alors là, elle a été folle, cette Coupe du Monde. En fait, il fallait plus se méfier des petites équipes. Par exemple, l'Équateur contre la France, elle m'a plutôt, à mon goût, assez bien joué. Alors là, oui. Je vais appeler un joueur car je n'arrive pas pour les corners. Allez. Ah non. Et il faut tenter dans la vie, il faut tenter. Enfin, mon pronostic des équipes, quelques équipes, peut-être qui vont être en finale. Alors je pense à l'Allemagne. Le Brésil, ça c'est sûr. La victoire dont ils avaient rêvé, une victoire écrasante, une victoire historique, ils y ont cru et ils l'ont eu. Et je peux vous dire que la première mi-temps en particulier a été absolument incroyable. 5 buts dans la première mi-temps, donc 4 en moins de 6 minutes. Et ça a été l'explosion de joie ici à Berlin. Même si les Allemands, on a bien vu contre la France, n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils ont eu, c'était dans les filets. On n'y peut rien, c'est les Allemands. Même si, quand même, j'aurais pensé, allez, encore notre changement pour le Real Madrid, même si je pensais que l'Allemagne allait faire un match plutôt, plutôt. Enfin, qu'ils savaient vraiment bien jouer.
Et non, j'ai pas eu cette impression. Voilà. Vraiment, les Français sont fait un très beau match face à l'Allemagne. Ils ont été de vrais combattants sur le terrain. Oui, mince. J'allais marquer de mon côté, ça m'arrive souvent, et sur FIFA. Attention. Aïe, 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 aïe. Alors, je crois que c'est Karim Benzema qui a marqué le but. Oui. Aïe, 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 aïe. À la 33e minute, Benzema a marqué. Maintenant, le score est de 1-0 pour le Real Madrid. Donc là, je vais un peu plus me booster. Alors, attention, Iniesta qui est sur le côté. Je vais essayer de faire une passe. Oui. Ah mince. Ça aurait pu faire un beau but. Franchement, vu que j'aime beaucoup FIFA, si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos détente hein, sur FIFA. Du coup, 2-0 pour le Real. Attention, oui. À la 59e minute, pardon, c'est le but de Pedro. Voilà. Un beau but quand même. Je vais voir le ralenti. Attention. Ah si, il est pas mal quand même. J'ai encore perdu. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur FIFA, voilà, ou par commentaire, vous me dites ça. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo précédente avec Lina sur Rayman Legend. Beaucoup de personnes l'ont aimé. On fera une vidéo tous les deux bientôt. Et sur ce, ciao ciao!